Montez pour faire un tour autour du monde. Le monde est immense, beaucoup de merveilles à contempler. Et nous allons traverser la mer. Ce sera tellement amusant que vous pourrez exclamer: partons autour du monde avec Bob le train. Dans les jungles d'Afrique jusqu'aux plages d'Espagne, les îles sur les tropiques où il y pleut tant. Youpi! Nous découvrons les montagnes enneigées de l'Himalaya. Courons autour du Taj Mahal pour rester en forme. Et appuyons-nous un peu sur la tour de Pise. La grande muraille de Chine est un super parcours. Contemplez la statue de la liberté juste au dehors. Les pyramides d'Égypte aux glaces de l'Ukraine. Les vignobles de France où l'on fait du champagne. Regardez tous les poissons colorés de la grande barrière de corail. On disait à côté des kangourous, regardez les pingouins se dandiner et leurs voleurs se reprogner. Grimper au sommet des plus hauts bâtiments à Dubaï. Contempler les trésors du Machu Picchu depuis ce sommet. Des îles Galapagos au plein de Mongolie. Les châteaux Normandie et leurs mystérieuses légendes. Vous vous êtes bien amusé autour du monde? Revenez très bientôt pour un nouveau voyage. Hé les enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire du roi Cole. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa pipe et il demande à sa soupe et ses trois violonistes complets. Chacun avait un violon, quel beau violon c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois violonistes au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à son épée puis son bouclier et ses trois chevaliers au complet. Chacun avait une épée, quelles belles épées c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois chevaliers au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa poêle et sa pâte à crêpes, puis les trois cuistots au complet. Chacun avait ses recettes, quelle bonne recette c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois cuistots au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa couronne, il demande à sa cape, puis ses maîtres de garde-robe. Chacun avait une grande cape, quelle belle grande cape c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois maîtres de garde-robe. Bonjour tout le monde! Quelle belle journée! Allons à la ferme aujourd'hui! Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh! Et à la ferme, il vit des canards. Ia, ia, oh!
avec des coins-coins ici et des coins-coins là. Ici un coin, là un coin, tout autour des coins-coins. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il vit des chevaux. Ia, ia, oh. Avec des ici et des là. Ici un là, tout autour des. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il croisa des vaches. Ia, ia, oh. Avec des meumeux ici et des meumeux là. Ici un meu, là un meu, tout autour des meumeux. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il vit des cochons. Ia, ia, oh. Avec des ici et des là. Ici un là, tout autour des. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il croisa des poules. Ia, ia, oh. Avec des côtes-côtes ici et des côtes-côtes là. Ici un côte, là un côte, tout autour des côtes-côtes. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il vit des moutons. Ia, ia, oh. Avec des bébés ici et des bébés là. Ici un bébé, un bébé, tout autour des bébés. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il croisa des chiens. Ia, ia, oh. Avec des waf waf ici et des waf waf là. Ici un waf, là des waf, tout autour des waf waf. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Et à la ferme, il croisa des chats. Ia, ia, oh. Avec des miaou miaou ici et des miaou miaou là. Ici un miaou, là un miaou, tout autour des miaou miaou. Bob le train alla à la ferme. Ia, ia, oh. Au revoir les enfants, vous vous êtes bien amusés? Hé les enfants, regardez le petit Quentin. Il mange une tarte de Noël. Le petit Quentin, assis dans un coin, mangeait une tarte de Noël. Il y mit le doigt, retira une date, et dit, quelle chance est-ce que j'ai donc. Le petit Quentin, assis dans un coin, mangeait une tarte de Noël. Il y mit le doigt, retira une date et dit, quelle chance est-ce que j'ai donc. Le petit Alain était au jardin à boire une limonade. Il vit une chenille et un escargot et prit ses jambes à son cou. Le petit Alain était au jardin à boire une limonade. Il vit une chenille et un escargot et prit ses jambes à son cou.
Le petit Jean-Marc lisait dans le parc une bande dessinée drôle. Jean-Luc arriva, Jean-Marc lui fit signe pour qu'il s'asseye avec lui. Le petit Jean-Marc lisait dans le parc une bande dessinée drôle. Jean-Luc arriva, Jean-Marc lui fit signe pour qu'il s'asseye avec lui. Bonjour les enfants, vous connaissez l'histoire de Yankee Doodle ? Yankee Doodle va en ville, chevauchant un poney. Il a un chapeau à plumes qu'il appelle macaroni. Yankee Doodle c'est plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. On est allé jusqu'au camp avec Capitaine Babacool. On y a vu tous les garçons pédaler dans la semoule. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. Le capitaine Washington, trônant sur son fier cheval, donnait des ordres à ses hommes avant la grande bataille. Yankee Doodle c'est le plus fort, Yankee Doodle c'est un dandy. Il sait tous les pas de danse, il est gentil avec les filles. Quel sacré bonhomme ce Yankee Doodle! À la prochaine fois! Pluie, vingt ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, vingt ans. Pluie, vingt ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, vingt ans. Pluie, vingt ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, vingt ans. Pluie, vingt ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, vingt ans. Pluie, vingt ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, vingt ans. Les enfants, vous aimez votre ours en peluche, n'est-ce pas? Ours en peluche, tourne et tourne. Ours en peluche, touche le sol. Ours en peluche, cire tes souliers. Ours en peluche, va à l'école. Ours en peluche, saute très haut. Ours en peluche, touche le ciel. Ours en peluche, penche-toi.
ours en peluche, touche tes pieds. Ours en peluche, va au lit. Ours en peluche, pas un bruit. Ours en peluche, éteins la lampe. Ours en peluche, dis bonne nuit. C'est l'heure de dormir pour ours en peluche. Chut. Les cinq petites grenouilles tachetées sont tellement drôles. Regardez-les. Cinq petites grenouilles tachetées, assises sur une bûche tachetée, mangeaient de délicieux insectes. Une sauta dans l'étang où l'eau était bien fraîche, il resta quatre grenouilles vertes tachetées. Blouf, blouf. Quatre petites grenouilles tachetées, assises sur une bûche tachetée, mangeaient de délicieux insectes. Une sauta dans l'étang où l'eau était bien fraîche, il resta trois grenouilles vertes tachetées. Blanc, blanc. Trois petites grenouilles tachetées, assises sur une bûche tachetée, mangeaient de délicieux insectes. Une sauta dans l'étang où l'eau était bien fraîche, il resta deux grenouilles vertes tachetées. Blanc, blanc. Deux petites grenouilles tachetées, assises sur une bûche tachetée, mangeaient de délicieux insectes. Une sauta dans l'étang où l'eau était bien fraîche, il resta une grenouille verte tachetée. Blanc, blanc. Une petite grenouille tachetée, assise sur une bûche tachetée, mangeait de délicieux insectes. Elle sauta dans l'étang où l'eau était bien fraîche, il resta aucune grenouille verte tachetée. Blop, blop. Bonjour, je suis Bob le train. Cela te dit une aventure spatiale ? Oui ! Partons pour un tour des planètes, et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Partons pour un tour des planètes, et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Oui ! Peux-tu voir Mercure? C'est proche du soleil. Fera-t-il chaud là-bas? On ne veut pas brûler? Oh non, ne t'inquiète pas, nous n'irons pas trop près. Assieds-toi, bronze un peu, de la tête aux pieds. Regarde, il y a Vénus ici, tout recouvert de nuages. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Faisons leur coucou! Bonjour! Il y a quelqu'un? Sa forme est comme la Terre, mais personne n'y habite. Continuons notre route tout autour des planètes. Qu'est-ce que cette chose bleue si belle? C'est la Terre, non, je crois. Oui, ce sont bien les mers et les terres et la neige. Nous pouvons y vivre, il y a de l'air pour respirer. Il ne fait pas trop chaud, ni trop froid d'ailleurs. Peux-tu deviner ce qu'il y a devant? C'est la planète rouge. Voyons voir de plus près, c'est magnifique, je sais. C'est la quatrième planète, elle vient juste après la nôtre. Sais-tu comment elle s'appelle? Son nom est Mars.
Ici la planète Jupiter, tu peux voir qu'elle est immense, la plus grande de toutes, grande comme mille terres. Elle a une grande tache rouge et elle a beaucoup de lunes. Avançons dans notre voyage, tout en chantant la chanson des planètes. Partons pour un tour des planètes et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Cette planète est très belle, elle a un anneau tout rond, elle se nomme Saturne. Allons voir de plus près. Oh, il y a de nombreux anneaux, tout en cristaux de glace. J'aimerais pouvoir vivre ici, ne serait-ce pas merveilleux? En face, il y a Uranus, qui a un éclat bleu vert. Pourquoi on ne peut pas voir à l'intérieur? À cause de tous les gaz. Bonjour! Que caches-tu à l'intérieur? Neptune est juste devant nous, elle est d'un joli bleu. Elle se nomme géante de glace, elle a de l'eau aussi. Tu as vu toutes les planètes, mais il y a bien d'autres choses à voir ici. La prochaine fois nous verrons cela. Partons pour un tour des planètes et Bob sera ton guide. Il y aura des jeux amusants à bord du train de l'espace. Bonjour les enfants, laissez-moi vous chanter la chanson du pont de Londres. Le pont de Londres est cassé, est cassé, est cassé. Le pont de Londres est cassé, ma belle dame. Reconstruisez-le de bois et d'argile, de bois et d'argile, de bois et d'argile. Reconstruisez-le de bois et d'argile, ma belle dame. Le bois et l'argile seront emportés, emportés, emportés. Le bois et l'argile seront emportés, ma belle dame. Reconstruisez-le de briques et de mortier, de briques et de mortier, de briques et de mortier. Reconstruisez-le de briques et de mortier, ma belle dame. Les briques et le mortier ne tiendront pas, ne tiendront pas, ne tiendront pas. Les briques et le mortier ne tiendront pas, ma belle dame. Reconstruisez-le de fer et d'acier, de fer et d'acier, de fer et d'acier. Reconstruisez-le de fer et d'acier, ma belle dame. Le fer et l'acier se courberont et plieront, se courberont et plieront, se courberont et plieront. Le fer et l'acier se courberont et plieront, ma belle dame. Reconstruisez-le d'argent et d'or, d'argent et d'or, d'argent et d'or. Reconstruisez-le d'argent et d'or, ma belle dame. Le pont de Londres est cassé, est cassé, est cassé.
Le pont de Londres est cassé, ma belle dame. Il en avait dit, c'était Jean-Louis, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Neuf! Neuf! Il en avait neuf dans un lit, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Huit! Huit! Il en avait huit dans un lit, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Sept! Sept! Il en avait sept dans un lit, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Six! Six! Il en avait six dans un lit, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Cinq! Cinq! Il en avait cinq dans un lit, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Quatre! Quatre! Il en avait quatre dans un lit, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Trois! Trois! Il en avait trois dans un lit, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Deux! Deux! Il en avait deux dans un lit, et le petit a dit: retournez-vous, retournez-vous. Ils se sont tous retournés et un est tombé. Un! Un! Il en avait un dans un lit, et le petit a dit: bonne nuit! Hé les enfants! Vous avez vu la famille des doigts? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est l'index? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est le majeur? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi. Où est l'auriculaire? Je suis là, je suis là. Tu vas bien aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Enfuis-toi, enfuis-toi.
la famille? Où est la famille? On est là, on est là. Vous allez bien aujourd'hui? Nous allons bien, merci. Enfuyez-vous, enfuyez-vous. Tu te sens seul? Alors chante la chanson de l'amitié. Il y a des jours où je me sens triste et seul. Quand mon sourire se retire, je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Mes amis, mes meilleurs amis. J'aime la compagnie de mes meilleurs amis. Et parfois, quand l'école devient une corvée, que j'ai vraiment envie de rentrer, je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Mes amis, mes meilleurs amis. J'aime la compagnie de mes meilleurs amis. Et il y a aussi des jours où je suis heureux comme le soleil. J'ai envie de partager ma joie avec quelqu'un. Je sors faire un petit tour avec mes meilleurs amis. Et tout de suite, je me sens mieux. Savez-vous qui sont les meilleurs amis de Bob le Train? Vous tous! À bientôt! Hé les enfants! Vous savez ce que j'aime faire pendant mes vacances? J'aime faire des gâteaux. Faisons cuire une pâte sablée pour qu'elle soit bien croustillante. Et on mettra des noix dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Faisons cuire une pâte sablée pour qu'elle soit bien croustillante. Et on mettra des noix dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Avec Bob le Train, faire des gâteaux, c'est rigolo. Venez, nous allons en faire un autre. Faisons un gâteau de Noël et recouvrons-le de crème. On mettra une cerise dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Faisons un gâteau de Noël et recouvrons-le de crème. On mettra une cerise dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Avec Bob le Train, faire des gâteaux, c'est rigolo. Qu'allons-nous faire ensuite? Je sais! Faisons un cookie chocolat et qu'il soit bien croustillant. On mettra des amandes dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Faisons un cookie chocolat et qu'il soit bien croustillant. On mettra des amandes dessus, qu'est-ce qu'on va se régaler. Avec Bob le Train, faire des gâteaux, c'est rigolo. On s'est bien amusé. On se retrouve bientôt pour faire de nouveaux gâteaux avec Bob le Train. La petite Bo Peep a perdu ses moutons. Elle ne sait où les trouver, c'est ta faute. Laisse-les donc, ils reviendront, remuant leur cœur derrière. La
petite Bo Peep s'est endormie et a rêvé qu'elle les entendait bêler. Mais à son réveil, c'était toujours pareil, ils étaient encore égarés. Puis elle a pris sa petite houlette, décidée à aller trouver ses tanguins. Elle les a découverts, son cœur en a souffert, car ils avaient tous perdu leur cœur. C'est arrivé un jour quand Bo Peep errait, tout près dans un pré, là elle a aperçu toutes les queues étaient pendues en rang sur un arbre séché. Elle a soupiré et séché ses yeux, et par les vallons elle est partie, tenter comme elle pouvait, comme une bergère devrait, de recoller la queue des brebis. La petite Bo Peep a perdu ses moutons, elle ne sait où les trouver, c'est affreux. Laisse-les donc, ils reviendront en remuant leur queue derrière eux. Bonjour enfants, allons rencontrer ces petits singes avec Bob le train. Cinq petits singes sautant sur le lit, un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Quatre petits singes sautant sur le lit, un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Trois petits singes sautant sur le lit, un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Deux petits singes sautant sur le lit, un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Un petit singe sautant sur le lit, un tombe bas et se cogne à la tête. Maman appelait le docteur et le docteur dit: mettez ces petits singes dans leur lit. N'était-ce pas amusant? À bientôt! Bonjour les enfants! Avez-vous déjà rencontré la famille de Bob le train? Montre-moi le premier doigt. C'est Papa Train. Papa Pousse, Papa Pousse, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et voilà le deuxième doigt, c'est Maman Train. Maman Index, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le troisième doigt, c'est Frère Train. Frère majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le quatrième doigt, c'est Sœur Train. Sœur annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le dernier doigt, c'est Bébé Train. Petit bébé, où es-tu?
Je suis là, je suis là. Comment vas-tu? N'était-ce pas amusant? Regardons-nous toi encore une fois. Papa Pousse, Papa Pousse, où es-tu? Je suis là, je suis là. Comment vas-tu? Et voilà le deuxième doigt. C'est Maman Train. Maman Index, Maman Index, où es-tu? Je suis là, je suis là. Comment vas-tu? Et le troisième doigt, c'est Frère Train. Frère majeur, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le quatrième doigt, c'est Sœur Train. Sœur annulaire, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? Et le dernier doigt, c'est Bébé Train. Petit bébé, où es-tu? Je suis là, comment vas-tu? C'est super! À la prochaine! Bonjour les enfants! Apprenons les parties du corps avec la chanson Tête, épaules, genoux. Tête, épaules, genoux et orteils, genoux et orteils. Tête, épaules, genoux et orteils, genoux et orteils. Yeux et oreilles, et bouche et nez. Tête, épaules, genoux et orteils, genoux et orteils. Cou, cheville, pieds, mains, pieds et mains. Cou, cheville, pieds et mains, et hanches et cheveux, et doigts et manteau. Cou, cheville, pieds et mains. Tête, épaules, genoux et orteils, genoux et orteils. Tête, épaules, genoux et orteils, genoux et orteils. Yeux et oreilles, et bouche et nez. Tête, épaules, genoux et orteils, genoux et orteils. La chanson vous a plu? Alors revenez bientôt! Bonjour les enfants! Allons voir ce que fait Johnny. Johnny, Johnny, oui papa. Tu manges du sucre, non papa. Racontes-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, Johnny, oui papa. Tu manges du sucre, non papa. Racontes-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, Johnny, oui papa. Tu manges du sucre, non papa. Racontes-tu du barbare, non papa. Ouvre ta bouche, ha ha ha. Johnny, n'est-il pas un vilain petit garçon? Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Londres visiter la reine. Petit chat, qui as-tu fait? J'ai chassé une souris de dessous sa chaise. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Paris pour me distraire. Petit chat, qui as-tu fait? J'ai poursuivi une souris dans toute la foire. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à New York faire un festin. Petit chat, qui as-tu vu? J'y ai vu un gros chien et j'ai eu très peur.
petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Londres visiter la reine. Petit chat, qu'y as-tu fait? J'ai chassé une souris de dessous sa chaise. Bonjour les enfants, dansons! 1, 2, ferme mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, un puits grassouillette. Et voilà plus! 11, 12, creusez fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. En voilà plus! 1, 2, ferme mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, un puits grassouillette. Et voilà plus! 11, 12, creusez fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. 1, 2, ferme mon lacet. 3, 4, tapez à la porte. 5, 6, ramassez les brindilles. 7, 8, les aligner. 9, 10, un puits grassouillette. Et voilà plus! 11, 12, creusez fouille. 13, 14, les domestiques font la cour. 15, 16, les domestiques dans la cuisine. 17, 18, les domestiques attendent. 19, 20, mon assiette est vide. Vous vous êtes bien amusés? À très bientôt. Rencontrons les mots opposés. Heureux. Triste. Grand. Petit. Chaud. Froid. Loin. Proche. Nuit. Jour. Petit. Grand. Bonjour. Au revoir. Regardez ces bébés qui sautent. Cinq petits bébés sautèrent sur le lit. Un tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de bébés qui sautent sur le lit. Sauter sur le nid. Un tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de bébés qui sautent sur le nid. Trois petits bébés sautaient sur le nid. Un tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de bébés qui sautent sur le nid. Deux petits bébés sautaient sur le lit. Un tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de bébés qui sautent sur le nid. Un petit bébé sortait sur le lit. Il tomba et se cogna la tête. Maman appela le docteur et le docteur dit: mettez ces petits bébés.
les enfants, vous avez déjà rencontré Monsieur Muffin? Connaissez-vous Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin? Connaissez-vous Monsieur Muffin qui vit chemin Nectarine? Oui, je connais Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Oui, je connais Monsieur Muffin qui vit chemin Nectarine. Allons donc voir Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Allons donc voir Monsieur Muffin qui vit chemin Nectarine. Oui, allons voir Monsieur Muffin, Monsieur Muffin, Monsieur Muffin. Oui, allons voir Monsieur Muffin qui vit chemin Nectarine. Monsieur Muffin est très drôle. La prochaine fois, allons voir plein d'autres gens rigolos. Avec Bob le train. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Pluie, 20 ans, un autre jour réveillant, petit Johnny veut jouer. Pluie, 20 ans. Connaissez-vous l'histoire des trois souris aveugles? Trois souris aveugles. Voyez comme elles courent. Elles courent tout après la femme du fermier, qui leur coupe la queue d'un couteau armé. Vous n'avez rien vu d'une telle ombrée que trois souris aveugles. Trois souris aveugles. Vont vérifier leurs yeux. Le docteur leur a donné des lunettes. Les souris alors ont très bien pu voir. Remercier le docteur et dire au revoir. Les trois souris aveugles. Trois souris aveugles sont rentrées chez elles. Elles courent tout après la femme du fermier,
qui s'enfuit et crie à gorge déployée. Le couteau, les souris l'avaient caché. Les trois souris aveugles. Trois souris aveugles. Trois souris aveugles ont pris des pansements, ont pris des pansements. En chantant, la pommade les a soignés. De belles longues queues leur sont repoussées. Pour vivre heureuses, elles étaient préparées. Les trois souris aveugles. Ça, c'était une histoire vraiment bizarre. À la prochaine fois! Hey les enfants! Et si on jouait avec les crayons de couleur? Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le bleu. Prenez crayons et papier et dessinez un beau ciel. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur bleue. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le rouge. Prenez crayon et papier et dessinez une rose. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur rouge. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le jaune. Prenez crayon et papier. Dessinez une étoile. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur jaune. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le vert. Prenez crayon et papier et dessinez un champ. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur vert. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le rose. Prenez crayon et papier. Dessinez la barbe à papa. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur rose. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, c'est le violet. Prenez crayon et papier. Dessinez une robe de princesse.
C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime, la couleur violet. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons.